Yo tout le monde, c'est Minus, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, une deuxième vidéo pour les défis de Death Season Pass. Alors vous voyez ici, il y a plein de défis pour les semaines et les paliers. Alors ici, pour la semaine 1, il y a un défi, c'est de trouver un lama, un renard et un crabe. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà trouvé un des trois. Et celui que j'ai déjà trouvé, c'est le crabe. Et on va essayer de trouver les autres. Alors le lama, je vous le réserve pour la fin parce qu'on sait quasiment tous où se trouve le lama. Le lama, lui, se trouve... Le lama, lui, se trouve à Jung Junction, comme on le sait tous. Le crabe, lui, se trouve en... si je dis pas de conneries, en H ou I9, quelque chose comme ça. Enfin, bref. De toute façon, je vais d'abord vous montrer dans l'ordre... Enfin, il y a un ordre dans lequel je vais vous montrer. Je vais vous montrer le crabe, puis le renard... Puis le lama. Alors pourquoi cet ordre? Tout simplement, c'est l'ordre des matériaux. C'est-à-dire que le crabe est fait en bois, le renard est fait en pierre et le lama, il est fait en métal. Donc tout simplement, je vais vous montrer la map. Alors, bon, on va spawn loin mais c'est pas grave. Le crabe se trouve juste ici. Donc, attendez, je vais m'écarter de tout bruit. Voilà. Donc le crabe, lui, se trouve ici. Donc juste en H10. H10, voilà. Donc en H10, vous allez trouver le crabe, et c'est ce qu'on va aller chercher tout de suite. Donc il faut attendre bien évidemment que nous passons avec le bus, et on se retrouve tout de suite dès que nous avons atterri. A tout de suite. Voilà, donc nous avons sauté, et on peut déjà apercevoir, rien qu'en sautant, nous pouvons déjà apercevoir le crabe tout au long, tout au fond de Moistimir. Regardez, je ne sais pas si vous l'apercevez correctement. Désolé pour les petits coups de lag, mais je ne sais pas ce qui se passe. Mais les serveurs Fortnite, je pense que pour le moment, sont un peu cassés. Donc voilà, comme je vous dis, on voit le crabe au loin. Alors, pour valider les structures, donc pour valider le crabe, le renard et le lama, vous n'avez pas grand-chose à faire, juste vous poster devant. Vous pouvez monter dessus, casser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà un beau petit crabe. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il est vraiment pas moche du tout. Alors, il y a un coffre que j'ai remarqué aussi. Le coffre se trouve ici. Hop, on va aller le chercher. Ouais, cette partie, elle bug. Hein. Donc voilà, vous avez un coffre tranquillement. Vous faites votre petit truc. Vous pouvez casser. Il y a des armes aussi. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez de sur le crabe. Et c'est validé. Donc voilà, une fois que vous êtes à côté, vous êtes juste en dessous et que vous le regardez, eh ben c'est validé. Et vous pouvez passer à la suite. Donc ici, je vais couper, on se retrouve tout de suite pour aller chercher le renard. Donc voilà, on est parti. Donc la structure de bois en forme de crabe a été validée. Donc maintenant, on va se diriger vers la structure en pierre qui est en forme de renard et que l'on va attaquer directement. Alors, je voulais porter une petite précision. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en soi, il est impossible de faire les trois structures en une seule game. Tout simplement pourquoi? Parce que les structures sont hyper éloignées l'une de l'autre. À la limite, faire deux structures... Pardon, j'ai bégayé. Deux structures en une partie, il est tout à fait possible. Mais les trois en une seule, même avec des tremplins ou autres, il est complètement impossible. Parce que le temps que même la première zone se forme, aller d'un endroit à l'autre, ce n'est pas possible. Alors maintenant, on va s'attaquer à la troisième structure qui se trouve quelque part ici, au long de la côte. Je n'ai pas vraiment encore trouvé, on va le trouver en direct. Mais elle se trouve ici, sur la côte. Donc il y en a une qui se trouve sur la côte en bas, une sur la côte à droite, et l'autre structure, donc le lama, qui se trouve ici en haut, dans la structure en haut à gauche. Donc on va sauter maintenant et aller trouver ce renard. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, la structure de crabe se voyait directement quand on saute. Ici, vous la percevez. Bon, forcément, on est loin. On saute très 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 loin. Mais vous pouvez l'apercevoir tout droit. Je ne sais pas si vous la voyez. En attendant, je vais essayer de planer et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai plané. Et là, on aperçoit vraiment les petites oreilles en pointe. Vous voyez, voilà, le renard, il est juste au bout. Donc ça, c'est le renard qui est en forme de pierre. Et pour le valider, bah, rien de compliqué à faire. Il faut se mettre juste en dessous.
On peut faire ce qu'on veut après, voilà. À mon avis, on va aller voir s'il y a un coffre qui se balade encore. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se dirige tout doucement vers le renard. On aperçoit déjà les pattes et la gueule. C'est franchement vraiment bien fait. C'est vraiment stylé. Franchement, là-dessus, ça amène du punch à Fortnite. On va dire que c'est pas... Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? On s'aperçoit que Fortnite ne veut pas être juste un Battle Royale où... Oh, il y a même une porte. Ne veut pas être juste un Battle Royale régulier. Oh, c'est stylé, on dirait une espèce de labyrinthe et tout, que tu rentres. Ah non, franchement, c'est nickel, hein, avec une petite vue sur la mer et tout. Ah, c'est cool. C'est cool. Il est plus cool que le crabe parce que on a directement un trajet à faire. Moi j'aime bien. Voilà, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, vous pouvez juste rester en bas aux alentours et c'est tout à fait validé. Donc voilà, la structure de renard, elle est ici, elle est validée et c'est nickel. Et on se retrouve tout de suite pour la structure en métal qui est celle du lama. A tout de suite. Ok, donc on se retrouve avec la structure de pierre qui a été validée et on peut voir trouver un lama, un renard et un crabe 2 sur 3. Il ne nous reste plus qu'une structure à trouver, c'est la structure métallique, donc comme on l'a fait dans l'ordre. Et cette structure métallique n'est autre que le lama. On va donc se diriger vers le lama pour valider ce défi et à la fin recevoir les 5 pièces. Alors... je ne sais pas du tout comment on va recevoir les 5 pièces. Il fait une trompette lui. Bleh. Donc je ne sais pas comment du tout on va recevoir cette récompense. Parce que dans le défi précédent, la récompense, on l'avait, on se mettait en dessous du sapin et la récompense sortait du sol. Donc là je me demande, comment va-t-on la récupérer? Est-ce qu'elle va aussi ressortir du sol? Ou est-ce qu'il va falloir rien faire tout simplement? Ouh, pardon, j'ai oublié de sauter à Jung Junction qui est ici. Bon, en tout cas, je vous ferai un récapitulatif à la fin de cette vidéo dans où se situent exactement ces structures. En tout cas, le lama, lui, se trouve en B1, ça c'est clair et net. Le crabe, lui, se trouve en H10. Donc voilà. Maintenant, on va se faire un petit peu de matériaux. Et on va aller monter sur le crabe, le lama. Donc voilà, le lama est ici, bien présent, bien imposant. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, le lama est très important pour Fortnite, puisque c'est un peu le symbole de Fortnite. Et comme vous l'entendez, il y a aussi un coffre qui est dedans. Ah, il est juste ici. Voilà. Et donc, vous avez votre petit coffre. On va essayer de monter, puisqu'ils nous ont fait un petit chemin. C'est qu'il doit nous réserver encore d'autres surprises, je suppose. Une porte. Ah, une magnifique vue. Oh, et un tremplin. Donc, il y a clairement du loot dans ces structures en métal, etc. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'ils nous ont... Bon voilà, c'est un peu les risques du tournage live, c'est qu'on se fasse niquer pour des conneries parce qu'on est en train de faire une vidéo. C'est pas grave. Bon, en tout cas, vous avez vu clairement, les structures ont été verrouillées, je pense. On va maintenant aller dans le menu. Mais comme vous l'avez vu, il n'y a pas de pièce qui est sortie du sol, rien du tout. Ou alors c'est que je suis pas resté assez sur le sol. En tout cas, on va aller voir dans les défis. Ici, voilà. Trouver un lama, un renard et un crabe, c'est validé. Donc maintenant, on a les 5 étoiles. Donc moi, j'en avais 6. Je suis passé à 1 sur 10 maintenant au palier 36. Et je viens de débloquer quelque chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vais maintenant regarder, je vais faire une micro coupure pour aller vérifier où se trouve le renard pour vous donner les indications. Donc les lettres, les chiffres et les lettres du quadrillage de map pour vous dire exactement où cela se trouve. A tout de suite. Voilà, donc nous récapitulons. Nous avons
le crabe qui est en H10, donc le crabe en pierre en H10. Nous avons le renard en J3 qui est en pierre. Et nous avons le lama qui est en métal qui se trouve en B1. Donc voilà, une fois que vous avez vos trois repères de la map, il ne vous reste plus qu'à aller les visiter, à valider ce défi. Et puis, vous passez dans les paliers un peu plus rapidement. C'était Minus, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Laissez un pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir parce que c'est quand même du travail de faire ce genre de vidéo. Je vous remercierai jamais assez, je pense. Je vous dis à la prochaine, c'était Minus. Bisous, portez-vous bien. Ciao, ciao.